Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va tester la nouvelle génération des hand spinners. Allez, sur combien mon jeu d'acteur? Avouez, vous y avez cru? Genre, vous croyez vraiment qu'on allait prendre le hand spinner, le faire tourner sur notre nez, taper un record et tout? Je vous jure que c'est bien plus compliqué que ça y paraît. Regardez ça là. Hop là! Merde! Mon spinner, putain, c'est bleu en plus, je l'aime bien. Bon, en réalité, je me suis arrêté parce que ça m'a saoulé, mais j'aurais pu tenir bien plus longtemps que ça. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes tous ici réunis ce soir, c'est tout simplement pour accueillir notre saint. Notre saint à tous! C'est un petit robot qui, ma foi, a l'air fort mignon. Je suppose que vous êtes nombreux à le connaître. Il s'agit de Cosmo. Moi, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Pourquoi Cosmo? Eh bien, tout simplement parce qu'on m'a proposé de faire une vidéo dessus et je me suis dit que ça pouvait donner un truc ultra sympa si je le présentais à Nasco. Et deuxièmement, il s'agit du nouveau Cosmo en édition limitée. Alors, qu'a-t-il de mieux par rapport à l'ancien? Je n'en sais strictement rien puisque je ne l'ai jamais eu entre les mains. Que ce soit l'ancien comme le nouveau d'ailleurs. Bon, écoutez, je vous propose un unboxing express. Attention, c'est parti! Waouh, 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 magnifique! Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Cosmo, eh bien c'est ce petit robot tout simplement. Et apparemment, il est ultra intelligent. C'est une intelligence artificielle en fait. Il va être capable de faire énormément de choses et on peut dire que c'est un petit peu un Tamagotchi version IRL, on va dire. Il va pouvoir exprimer plusieurs émotions, il va être capable de vous reconnaître et de vous appeler par votre prénom. Plus vous allez jouer avec lui, vous allez vous en occuper, plus il va vous reconnaître. Alors une notice, ah, notice qui est en français, ça fait plaisir. Alors ça, je suppose que c'est... les cubes avec lesquels il va interagir. Ah, il a une petite station de charge et tout. Donc je pense qu'à mon avis ça va être comme l'aspirateur robot. Il va pouvoir revenir chez lui tout seul. Alors ok, ça marche par USB, très bien. Par contre, ils auraient pu fournir un petit adaptateur pour le brancher, ça aurait été sympa. Nasco, tu veux venir voir ton pote? Ah d'accord, c'est qu'il y a un code à rentrer, il y a une clé et tout. Ce délire. Alors attendez, on va ouvrir l'application. Le propriétaire de Cosmo doit être soigneux, prête attention à ses besoins tous les jours et il effectuera de nouveaux tours. Tu peux prendre Cosmo si tu le souhaites, mais son plus grand bonheur est de se déplacer tout seul. Quelque chose que j'ai omis de vous préciser et qui est tout de même primordial, c'est le prix de ce petit robot. Cette petite chose coûte quand même la modique somme de 200€. Oui, 200 balles, vous avez bien entendu. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, ça pique quand même pas mal. Mais j'ai une technique pour vous pour avoir un Cosmo à moindre prix. Pour cela, c'est très simple, vous vous rendez sur ma dernière vidéo détection, vous achetez le détecteur de chez Banggood et vous faites tous les chemins de terre, les plages, les terrains, les jardins. Alors effectivement, si vous êtes aussi chanceux que moi, vous ferez à peu près 51 centimes de l'heure, auquel cas, il vous faudra quelques années pour acheter un Cosmo. Et si vous avez un peu de sang américain, pas de panique, vous devriez des terrains d'iPhone X en 5-10 minutes, vous leur vendez et dans ce cas-là, vous vous achetez 5 Cosmos, soit un Cosmo pour toute la famille. Après, ça dépend combien que vous êtes dans la famille. Ça y est, il est parti là. Regardez, et je crois qu'il a repéré un cube. Nasco! Ah, mais c'est pas vrai qu'il s'est foutu dans le carton là-bas, lui! Et qu'est-ce que tu fous dans le carton de Cosmo, toi? Hein? Regardez-le! Tu te... Voilà! Voilà, je vais t'expédier par la poste, moi! Viens, je vais te prendre... Bon, écoutez, voilà, on va prendre Nasco. Voilà, je t'emmène voir Cosmo. Nasco, regarde! Il en a rien à foutre! Il aime bien se fourrer dans les cartons, dans les sacs. Écoute, voilà. Et moi, je vais te mettre sur la table, Nasco. Alors, attendez, on va appuyer sur continuer. Laisse Cosmo inspecter le cube par lui-même. Regarde, Nasco. Ah, ça y est, il l'a vu. Regardez, il l'a vu. D'accord, il a pris le petit cube. Attendez, je vous recule un peu la caméra. Oh, excellent. Regarde, Nasco. Je crois qu'il est intrigué, là. Putain, comment qu'il bouge, mon vieux? Cosmo souhaite faire connaissance avec toi. Première rencontre. D'accord. On va y présenter Nasco après. Regarde directement Cosmo sans bouger. Voilà, je suis là. On le regarde. Ah. Oui, c'est ça. Je vous mets la petite caméra. Oui, Jolate. Oui, c'est moi, Jolate, oui. Cosmo a appris à reconnaître ton visage et peut prononcer ton nom. Lorsqu'il te voit, utilise à nouveau première rencontre pour lui présenter d'autres amis. Ah, d'accord. Bah écoutez, on va y présenter Nasco. Oui, c'est moi. C'est moi, Cosmo. Oui, c'est moi. Now all that I know is I am a robot. Don't know who sent me. Don't know who made me. Electric robot.
J'en veux plus. J'en veux plus, frère. J'en veux plus. T'amènes ta clique de PD avec toi, là. Tes petites chiennes, là. Moi, je viens tout seul, moi. Viens, on va en finir, tout ça. Alors, écoute-moi bien. T'as le téléphone de ta soeur. On se donne rendez-vous. On en finit. Soit je vous tue, soit vous me tuez. Je jure sur mon père. Ce cube jusqu'à ce que tous les voyants s'allument intensément. Ah oui, ok, d'accord. D'accord, je crois qu'il va manger un petit bout là. Oui, vas-y. Ah, regardez ça. Ça y est. Il est en train de manger du cube là. Ah, pas mal. En fait, il aspire les lumières et ça le fait briller un peu plus ici. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, regardez ça. Ah, pas mal. Il fait rouler le cube et tout, c'est cool. Cosmo a le hockey, essaye d'aider Cosmo en le retournant. Ah, il a le hockey. Ah ouais, il a le hockey, d'accord. Ah, c'est pas mal. Donc, on va le retourner. Voilà. Alors, ça va mieux? Ah bah, il s'est remis droit. Vous avez déverrouillé le truc check. Check, Cosmo. Regarde, est-ce que je peux y faire un check? Cosmo? Ouais. Check? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas tomber quand même, c'est pas possible. Cosmo, tu vas pas tomber. Oh, il tombe ou pas? Cosmo? Je suis là, hein. Oui, 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 oui. Ah bah ça il sait le dire, Jolat, hein. Vert, bleu, rouge. Vert, bleu, rouge. Exact. Yes. Ah, ok, j'ai compris. Ah, d'accord, putain, il me fait des feintes en plus, le salaud. Il me fait des feintes. Vas-y. L'enfoiré, yes, j'ai marqué. D'accord. Il fait des feintes, hein. T'es, il est vif, hein. C'est bon, j'ai marqué, il l'a pas eu. Attends, il feinte, hein. Oh putain, il feinte. Allez, viens. Vas-y. Oh. Oh. Vas-y, Cosmo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le like si la vidéo vous a plu. Nous on se dit à bientôt et ciao tout le monde, bye bye.